Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à Playroom sur un nouvel épisode de Starbound D4 Please Jira. Donc, chers amis, nous allons redescendre sur cette planète, donc de type, entre guillemets, de type feu, hein. Et nous allons surtout pas repartir vers la droite, ou alors nous allons peut-être repartir vers la droite. On va repartir vers la droite, allez hop, on est fou. Bam, je prends déjà des dégâts, histoire de me mettre dans l'ambiance, tout ça. Oh, c'était un boss? C'est un gros oiseau sûrement. C'est un gros oiseau. On va quand même récupérer les pixels, mais bon. C'est juste un gros oiseau. Oh, le sable. Dû à la tempête de sable, oui, c'est juste un gros oiseau qui est apparemment là en grande quantité. Fouf. Oh putain. Alors là, j'ai vu la mort arriver avec son grand M. Et j'ai, autant le dire, pas aimé. Oh, on va retomber face au boss, mais le problème, c'est qu'il sera clairement avantagé. Il sera clairement avantagé par le fait... Je suis en train de chercher un moyen de ne pas l'avantager, mais c'est pas facile. Elle a deux mains, celle-là, ouais. Ah, mince. Hop. Grimpe, allez, grimpe, allez, grimpe. Tu pourras pas remonter. Regardez, il est à droite. Je l'ai littéralement brain. Putain, on est chié. 43, et celle-là fait plus de dégâts. Putain, j'ai tellement de merde sur moi, chers amis. C'en est violent. Boum. Oh, le sable qui rentre. Ça, j'en avoir besoin aussi. Pourrait brûler un petit peu. Ça par contre j'aime pas. Non. Non non c'est rien. Ça va, ça baigne. Ah, il y a des minerais que j'arrive pas à choper, ce qui serait dommage. Et des pistoles à... Un shotgun à 36 de dégâts, c'est intéressant, mais malheureusement je ne joue pas encore au shotgun. La dague là elle est moisie. Le pistolet là, 20, c'est peut-être pas beaucoup. Mais c'est mieux que ce que j'ai. On va déjà repartir avec ça, on verra bien. Je récupère des armes un peu partout malheureusement. Oh, Spire à 40, celle-là fait 42. Est-ce qu'elle a une portée de malade mentale comme... Ouais, elle a une portée supplémentaire avec son électrique. J'ai pas envie de récupérer tout ça. Je préférerais me concentrer là-dessus par exemple. Qui ont plus de choses sympathiques à apporter que... T'es lent mon ami.
Donc, il doit y avoir de gros gros bugs parce qu'il m'attaquait avec normalement une. Avec une arbalète. Parce que c'était le son qui sortait en tout cas. Oula. Quelque chose de balèze qui frappe. Hop. Hop. Forcément une grosse bibliothèque. Qu'est-ce qui fait des booms? Il tombe des bombes ou quoi? Ah oui, il tombe des bombes. Ou tout comme alors. Alors là par contre on a tout le stuff en or donc on va le prendre. Hop, ça fait combien? 50! Apparemment en me collant à la porte j'ai réussi à esquiver des dégâts, c'est cool. Ce qui est même très très cool. Oh, des pixels, juste des pixels, c'est dommage. C'est franchement dommage. Bon. J'en prends un deuxième, comme ça je pourrais le faire crafter par des. Oh, bah alors toi. Tu verras la mort venir. Elle s'approchera de toi. T'auras mal. Moi aussi. J'ai failli en crever. J'ai failli me faire baiser. J'ai failli remourir. Ah! Ah! Non, c'est bon, je l'ai eu. Alors, et il nous reste le gros tas. Parce que moi, ce que j'appelle un gros tas, chers amis. Celle-là, je l'ai faite, la pièce là? Oui, je l'ai faite. C'est pas juste un mec gros. C'est un abruti avec un putain de canasson. Hop. Voilà. C'est le bug. Et il s'est fait eu. Ah mince. Il ne me voit plus techniquement, donc je sais pas s'il va bouger. Honnêtement, j'espère pas. C'est sans doute mille fois mieux comme ça. Alors. Désolé pour ton canasson, j'aime pas tuer les bestioles. Tu es mort. Merci pour ton inutilité. Je vais donc virer, chers amis. Je vais virer les bananes. Je vire les bananes. Bon. Ce château-là, il est fait. Alors j'essaierai, chers amis, hein, on verra ce que ça donne. Je me renseignerai au niveau des, comment, des colonisations. Par exemple, si je fais une colonisation dans un château qui est déjà fait. Oh, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? Oula, oui, c'est passé des choses. Merde, oui, je t'ai pas vu, toi. T'es sûrement le garde de la porte. T'as bien fait ton boulot, toi, encore. Hein. Comment t'as pu lâcher un fusil de sniper? T'es même pas censé savoir ce qu'est un fusil de sniper. Ah ah! Oh oh! Uhu! Non. Ouh, des pixels! Des pixels de partout! Allez, grimpe! Allez, grimpe! Allez, allez, Batman! Allez, Batman! Allez, Batman! Pin, 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 pin! Non, Batman, tu peux le faire, Batman!
Oh là là, tellement d'action. Aïe, c'était très utile d'avoir un grappin. Ah, c'est un cul-de-sac, chers amis. Non, je ne veux pas mourir ici. Oui! Survive. Alors. De l'or, des montagnes d'or. Bon. Si vous me dites qu'ils ont repop, je rage. Oh putain. Je vais creuser. Ça sera plus rapide si je creuse. Vous vous rendez compte? Plus rapide si je creuse. Cette phrase ne devrait pas exister. Pas dans un jeu où on doit miner, en tout cas. Allez! Shit! Ah, je suis con! Wouhou! Oh merde, je me trompe. Salut! Tu m'as vu! Mais tu me reverras plus tant que j'aurai pas le droit. Non, j'irai pas plus loin. Alors. Et pour ceux qui me diront que c'est pas les bonnes paroles, si, c'est les bonnes paroles. Vaut mieux que ce soit celle-là que les vraies. D'accord, en fait c'est un faux bloc. Wouhou! Ok, j'ai réussi. Par contre, là, il y a danger. Là, il y a clairement danger. On va utiliser la grande technique, chers amis. Oh, la grande technique, mec, c'est ça la grande technique. Hop. Ah, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est parce que j'ai pas de fond. Ça, c'est très très naze. Je ne peux pas lâcher d'eau parce que je n'ai pas de fond. Alors, on va mettre de la neige, c'est pas grave. C'est pas comme si on était sur une planète volcanique, hein. Alors, ça marche plus? Pourquoi ça marche plus? Ça a toujours marché! Ça a toujours marché comme il faut, chers amis. Incompréhensible. Ah, si, je sais pourquoi. C'est parce qu'elle se barre sur les côtés. Oula! Ah bah voilà! Ça pouvait pas être plus précis! Ça pouvait pas être plus précis, chers amis, je pense. C'est l'éclate, littéralement. Du coup, j'ai encore plein de bordel sur moi. Peut-être que cette fois-ci, j'aurai de quoi le ranger. Voilà, on va le mettre là. Hop! Ne perdons pas toutes ces superbes choses, chers amis. Hop! Hop! Voilà. Bon! Et au niveau du bordel dans le truc normal. Ok, c'est le plein. Bon, c'est pas grave. Faudra que je fasse un petit coup de rangement quand même. Mais faudrait que j'ai un vaisseau complet. J'aimerais bien avoir le vaisseau complet avant de faire le rangement. Ah oh, putain, il y en a, enfin, il y a encore une tempête de sable. Alors oui, je sais, rien ne m'oblige à rester sur celle-là, mais si, c'est tellement classe. Allez, grimpe. Allez, Batman. Batman! Batman! Oh! Tellement de respect dans ce coup! On va y avoir tellement de manque de respect là. Une araignée, j'en ai pas encore vu. Aïe.
Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Des gros oiseaux. Un coffre! Rien dedans, ou presque. Oh! Des vendeurs! Des caravaniers! Bonjour, ah pardon, excusez-moi, je range. Alors, peacock. Oh, mais c'est joli tout ça! Non, c'est juste absolument laid. Je suis désolé, j'ai pas acheté chez toi. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes le vendeur? Vous êtes le vendeur peut-être. Bonjour, j'aimerais le vendeur de ce... Ah, voilà. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que vous vendez monsieur? Phoenix Graves. Ooh. Flamingo Headdress. Ooh. Une petite tapisserie à Vienne. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc. Et tu vends aussi ça, dis donc, et tu vends tout, t'es polyvalent comme bonhomme. Bon, maintenant c'est l'heure de sortir. Hop, bla. Oui, bah faites gaffe les gars, il y a des gens à votre porte. Je les emmène avec moi, vous inquiétez pas. Oh, bah y'a encore un truc. Oh, bah c'est pas des sympas. J'en préférais des sympas. Ce n'est pas fini. Ça ne sera jamais fini, Billy. Boum. Boum. T'avais qu'à te réveiller, je l'ai complètement assommé le pauvre garçon. Ah, j'ai plus de place pour un steampack rouge, c'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui se passe? Si je prends ça, je le vire. J'ai vu que j'avais un bouclier bleu autour, chers amis, n'inquiétez pas, je suis pas complètement con. Alors, oh! Oh, oh, oh! Bah non, rien d'intéressant non plus. Bah. Ça y est, je suis passé. Oh non, de Dieu. Ah, un trou! Que je puisse respirer du sable! Je respire du sable! Et un de ces quatre, je vais faire une chute comme ça, sauf que ce sera dans la lave, chers amis. Et là, ce sera violent. Wouh! Génial! Génial, génial, génial! Alors, vite. Ah bah oui, mais il va être détruit le machin, quoi. Ça m'étonne qu'on ait pas trouvé déjà des cadavres. Hello, guys! What are you doing, guys? You okay, guys? Il y a des trucs à Vienne partout. Hey there! Where are you guys? Je n'ai pas de quoi récupérer tes armes, guys. Il y avait viré un petit peu de truc, guys. Grax's perfect gun, guys. C'est la merde, guys. Oh merde, il est mort. Il est mort. Oh merde, il est mort. M'en fous qu'il soit mort. M'en fous! J'ai son pantalon! Il survivra grâce à son pantalon! Par contre, il faut surtout pas que le vendeur là-bas soit mort, il est pas mort. Bonjour madame. Ah bah si, il est mort. Le bon est mort. Vive le bon. Désolé les amis, mais c'est la fin. Je m'en vais. On va vers un monde meilleur. Ah bah non, je m'en vais pas. Ah, ça aurait été tellement cool de devoir être obligé d'avoir le grappin pour l'aborder, vous imaginez? Le retour de la lave. Et de mes échecs successifs. Vous savez ce qui est drôle avec successif? Oh putain. C'est que dans successif, il y a if. Non, c'était pas ça. Putain. Putain. Bon, alors encore une fois, ça va aller plus vite si on... Non, ça va être plus mortel surtout. Bah alors, tu me laisses la possibilité de le... Putain.
Je vais faire un truc que j'aime pas faire. Non, pas ça. Pas me tirer sur les pieds. Oh putain. Une fois que j'ai bien dégueulassé la zone, ça s'arrête. C'est cool. Non, c'est vrai, c'est cool. Là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur à ma vie, là. Ouh. Marche bien, cette histoire. Malgré tout. Mais c'est quoi, cette plateforme? Elle a aucun sens. Pas beaucoup de choses sur cette planète, hein. Wouh! J'ai failli tomber dans la lave. Wouh! Ah, 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 on retrouve un petit peu plus de lave. Oh, c'est tellement dommage! Wouhou! C'est pas ce qu'on appelle communément de l'action, chers amis. Des sensations, du frisson. Du frisson dans la playroom, chers amis, du frisson. C'est pas un boss. J'aurais aimé que ce soit un boss, je l'avoue. Oh, 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 il survit aux flammes. Oh, le sac. Tiens, bah c'est là que j'étais. Bon, bah, y'a plus rien à visiter sur cette planète, chers amis. Comme ça, c'est clair. Hop. Bon, bon, bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là-dessus? Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, il nous faut encore le Moon Emblem, tout ça. Oui, donc, bah, on change de planète, chers amis. Unforgiving Volcanic Terrain. On va là-dessus, ça a l'air sympa. Voilà. Ça a l'air de péter la joie, cette planète. J'ai pas regardé les différents climats qu'il y a dessus. Par contre, je bois un coup, j'ai soif. Alors, ça fera ma 1, 2, 3, 4ème vidéo tournée depuis ce matin. Putain, ça commence à faire mal, on va dire. À faire mal sa mère, je dirais même. En fait, c'est vraiment le temps que j'ai mis à les tourner, quoi. Alors, revérifions donc le temps. Alors, il y aura des souffles de flammes, des pluies de météores, des grosses comètes. C'est génial. C'est la mort assurée. Alors, on va se heal un petit coup, chers amis. Et je pense qu'on va se laisser là pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la main de la chaîne. Je n'ai aucune idée de la durée de cet épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur le serveur. Donc, vous pouvez retrouver l'adresse IP directement dans le groupe Steam. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.